chalutier, cargo, croiseur ou paquebot, un navire a sombré, soufflant une grande bouffée d'air. Il a tournoyé lentement. Il s'est couché sur le fond, soulevant un nuage de sable, effrayé par son nouveau destin. Bientôt, la rouille s'est emparée du fer, soulevant les peintures, courant le long des tôles comme un frisson sous la peau. De longues algues vertes ont tendu leurs rideaux dans les superstructures. Les ponts de bois se sont couverts de duvet. Les poissons se sont attardés sur cette roche étrange. Pendant des années, l'épave a conservé dans ses entrailles des petits coins d'acier poli dans leurs fourreaux de graisse. Mais le sel ronge toujours, la carcasse cède. Un jour, elle s'ouvrira lentement comme bâille une huître. Les ponts se poseront sur le fond de la mer. Les algues cicatriseront ses dernières blessures. Jalon d'une des plus anciennes routes maritimes. Le phare de Planier projette son ombre de géant sur un îlot minuscule. Un ravitailleur des ponts et chaussées y conduit notre expédition. Pour explorer une modeste province du monde des mers et pour en rapporter quelques images, il faut un matériel assez considérable. Vivres, campements, tuyauterie, appareils de secours, caméra sous-marine, batterie de tubes d'air, groupe motocompresseur, et enfin, nos scaphandres autonomes. Trois bouteilles, dont l'une sert de réserve, sont remplies d'air à 200 atmosphères. Ces instruments sont lourds à transporter, mais leur volume est calculé pour qu'il n'ait pas de poids dans l'eau. Ils peuvent être rechargés sur place. Le réglage de la consommation est automatique, quelle que soit la profondeur. Nos vies dépendent de ces engins. Nous les contrôlons avant chaque plongée. Les propulseurs en caoutchouc du commandant de Corlieu achèvent de transformer l'homme en poisson. Nos caméras sont faciles à recharger malgré la complexité des commandes. Pour les plongées profondes, nous les gonflons afin qu'elles résistent mieux à la pression. Tout est prêt. Le rêve de Jules Verne est sur le point de se réaliser. Les autonomes sont fixés dans le dos, un peu comme des sacs tyroliens. Ils nous permettent de vivre près d'une heure à 40 mètres de fond et de descendre beaucoup plus bas encore. Rien ne nous relie jamais à la surface, mais notre sécurité, c'est d'être toujours deux en action, opérateur et explorateur. Par 25 mètres d'eau, nous suivons la pente de cette faille. 30 mètres, quelques mérous. Un aigle de mer. Une grande raie, épouvantée par notre silhouette. Monotone.
fragile. Sans effort sur ces ponts couverts de mousse, rien n'est bois, cuivre ou fer. Il n'y a plus d'objets. Pourtant, cette vieille roue vermoulue était autrefois la barre en chêne ciré d'un cargo neuf. Un vieux timonier l'a prise en main avec orgueil pour son premier appareillage. Et ce tube, c'était un canon. Le volant de pointage tourne encore. Couverte d'algues, parfois à demi enfouie dans un sable qu'elle semble avoir brassé dans ses derniers soubresauts. Pénétré dans la salle des machines, s'est piqué dans un des panneaux d'aération, un peu comme dans le goulot d'un encrier bien plein. Puis, les yeux s'habituent à l'ombre. S'échappe un jet de bulles d'argent. Sur le dos du plongeur blafard, on les guette comme la pulsation d'un cœur. Elles fusent lentement de notre gorge comme la fumée d'une torche. Quand nous pénétrons dans l'épave, elles tapissent les plafonds d'un miroir étincelant. Elles filtrent à travers les ponts longtemps après notre passage. Nous laissons derrière nous un peuple de fantômes. Dans ce chaos à la poursuite d'un rêve, parcourir dans le noir de longs trajets sous les tôles, frôler au passage des lambeaux de fer aigus comme des poignards.
Des filets en ruine cernent les restes du navire, grille capricieuse d'un cimetière marin. Pourquoi y a-t-il tant de poissons dans les épaves? Certains passent dans leurs agrès comme des nuages. D'autres, qui traversaient le désert de sable en rasant le fond, s'y sont attardés comme dans une oasis. Les rougets y broutent paisiblement. Les langoustes peuvent y vivre la tête en haut ou la tête en bas. D'énormes rascasses y prennent racine. Est trop forte. Dumas remonte chercher une arme. L'homme est prêt à fondre sur sa proie. Exceptionnelle. Mais une telle arme est interdite par les règlements. Si elle existait, elle évoquerait les chasses fabuleuses du capitaine Nemo. Thank you.
plus beau gibier de la mer. Ce sont des bêtes de la taille et du poids d'un homme. On les rencontre alors qu'on ne s'y attend pas. Elles ne sont jamais où on les cherche. Une telle puissance ne saurait être maîtrisée que par un coup mortel, dans la tête ou dans le cœur. Fait rage, la houle gronde. Ici, c'est le calme absolu des grands fonds. Les épaves, témoins muets de l'agitation des hommes, portent la marque de leurs rêves orgueilleux, mais aussi celle de leurs petites préoccupations quotidiennes, la baignoire du commandant. Une chaudière projetée à 30 mètres de la coque. Par une belle nuit tropicale, des couples rêveurs, des couples passionnés ont flâné sur ce pont sans souci de l'heure. Chassés au petit jour par l'équipe de propreté, ses seaux d'eau, ses jurons et ses brosses. Nous y avons ramassé des gargoulettes arabes. Et, comme des vases des mille et une nuits, il s'en échappait une fumée noire. Après avoir explosé, pris feu, subi le fracas d'un naufrage, tout ce navire, englouti depuis 20 ans, est tordu, démoli par d'immenses efforts. Mais la vaisselle est intacte. De coraux indique toujours le nord. Toutes les épaves ne vieilliront pas en paix. Dans le bureau d'un chef d'entreprise, les techniciens examinent les possibilités d'un renflouement. Les scaphandriers obtureront sommairement les brèches.
Des pompes puissantes seront mises en place. Le bâtiment, vidé de son eau, remontera à la surface. Il émergera péniblement, comme s'éveillant d'un cauchemar. Si le navire ne peut être ramené à la vie, les hommes s'acharneront sur l'épave elle-même, étudiant avec soin s'ils l'achèveront au chalumeau ou à la dynamite. Contre la coque, dans les cales, se poursuit un obscur travail de préparation. Sur le pont éclaboussé de soleil, le scaphandrier braque le chalumeau. Une lueur rouge grandit, attaque le métal, devient une flamme palpitante, panachée de bulles. L'eau ronde, martèle la poitrine. Être disposé au contact de la paroi à détruire. Plus personne dans l'eau ? Allez, chef. Allez-y. L'épave succombe. Les grands poissons l'ont abandonnée, comme les rats délaissent un bâtiment en péril. Il ne reste plus qu'un étrange village en ruine, triste et net comme une planche anatomique.